السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين وحجة على العباد أجمعين. الحمد لله النافذ أمره، الدائم بره، الشديد بطشه وقهره، الواجب حمده وشكره، لا يرجى إلا نفعه ولا يخشى إلا ضيره، فتبارك اسمه وجل ذكره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه هو الغني عمن تناساه والحليم على من عصاه. سبحانه لا إله إلا هو، لا ندعو أحدا سواه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي الفضلاء، يسرني أن ألتقي بكم في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعم الجميع بفضله ومنه وكرمه، وأن يجعلنا إخوانا في هذه الدنيا تحت طاعته، وفي الآخرة تحت لواء سيدي أنبيائه ورسله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبابي، كما أشار أخونا آنفا، يكون موضوع كلمتنا الليلة بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير آية من آيات سورة غافر، وهي قوله تبارك وتعالى: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. وقبل الشروع في الموضوع، نود أن ننبه عن أهمية الإيمان باليوم الآخر، فإنه كما هو غير خاف على أحد منا، ركن من أركان الإيمان التي لا يتم إيمان أحد إلا بها. والمسلم يجب عليه أن يؤمن بأن الله تبارك وتعالى كما أوجده من العدم وأوجب عليه توحيده وعبادته وطاعته، وكما أنه أحياه ورزقه ورباه بنعمه، كذلك سيميته ثم يبعثه ثم يحاسبه ثم يجازيه، وسيقع ذلك كله في يوم عظيم. وهذا اليوم فصله الله تبارك وتعالى أيما تفصيل في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. فمن ألقى نظرة في القرآن العظيم، لا سيما في القرآن المكي، يعني الذي نزل في العهد المكي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، تبين له أن الله تبارك وتعالى أكثر من ذكر هذا اليوم ليزداد المؤمنون إيمانا، وليكون ذلك باعثا على التقرب إليه سبحانه والابتعاد من معصيته. فالإيمان باليوم الآخر له ثمرات جليلة، يبعد المرء عن حب الدنيا وينقي قلبه
ويزكيه ويشجعه ويحثه ويحرضه على الإكثار من العمل الصالح ليكون ميزانه ثقيلا يوم القيامة غير خفيف. Mes frères, je suis heureux ce soir de me trouver parmi vous dans cette mosquée bénie. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala, comme il nous a réunis ce soir ensemble, entre frères et sœurs, sous son obéissance, de nous réunir toujours pour cette raison, ici-bas, et de nous réunir le jour du jugement sous l'étendard du plus noble des prophètes et messagers sallallahu alayhi wa sallam, et dans le plus haut degré du paradis, dans le meilleur des voisinages. Mes frères, comme vous avez été informés incessamment sous peu, le sujet qu'on va aborder ce soir ensemble concerne un verset de sourate Ghafir, un verset de sourate Ghafir qu'on appelle aussi sourate Al-Mu'min. Il arrive dans le Coran qu'on donne à la même sourate plusieurs noms. Pour ceux qui ont l'habitude de lire dans les tafsirs, notamment d'Ibn Kathir ou bien des grands mufassirines les plus connus, il arrive des fois qu'on trouve un nom à la sourate étranger à celui qu'on a l'habitude d'entendre. Exemple, sourate Tawbah, on l'appelle souvent sourate Bara'a. Ou bien sourate Al-Isra, on l'appelle sourate Bani Israël. Ou bien sourate Fatir, on l'appelle sourate Al-Malaïka. Ou bien sourate Ghafir, on l'appelle sourate Al-Mu'min, à ne pas confondre avec Al-Mu'minun. Il a akhiri. Et à savoir qu'en général, on attribue le nom de la sourate en fonction du sujet principal de la sourate ou bien d'un élément particulier se trouvant à la fin ou au début de la sourate. Ce verset dans sourate Ghafir qu'on appelle sourate Al-Mu'min. Pourquoi Al-Mu'min qui veut dire le croyant? Et Ghafir qui est un des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala qui veut dire le pardonneur. Ghafir c'est un des premiers mots qu'on trouve dans la sourate. Hamim tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-alim ghafir al-zanbi wa qabil al-tawbi al-aya. Le pardonneur des péchés. Allah tabaraka wa ta'ala. Et Al-Mu'min, le croyant, ça fait référence à un homme qui faisait partie de la tribu de Pharaon, et qui a cru en Moussa alayhi salam, mais qui avait peur des répercussions de son peuple à son égard s'il savait de lui qu'il était croyant. وقال رجل مؤمن يكتم إيمان من آل فرعون يكتم إيمانه. Et un homme croyant, mu'min, هذا هو الشاهد, voici le témoin, min al Fir'aun, de la famille, de la tribu, du peuple de Fir'aun, yaktum imana, qui cache sa foi. Et donc, dans 3-4 pages de la même sourate, on a un passage magnifique, plein de leçons et de moralité, dans lesquelles on voit comment cet homme, il a appelé son peuple à croire en Allah tabaraka wa ta'ala et à suivre Moussa alayhi salam. Et parmi les différentes et les nombreuses recommandations qu'il leur fait, ce passage-là, où il dit, « وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ » Ô mon peuple, je crains pour vous le jour de l'appel mutuel. Traduction relative et approchée. « التَّنَادِ » Le verbe tanada en arabe signifie s'appeler mutuellement. Je t'appelle et tu m'appelles. D'où le nom de l'appel mutuel. Cette appellation fait référence au jour du jugement. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de rappeler que la foi dans le jour du jugement est un des 6 piliers de la foi. Un des piliers qui compose la foi. Et c'est un pilier très important, comme le reste des piliers, bien entendu.
lorsqu'on regarde attentivement dans le Coran, et si seulement les musulmans lisaient plus attentivement le Coran, comme Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné. On remarque une différence de style dans le Coran qui a été révélé à la Mecque avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, et celui qui a été révélé, yani le Coran, après son installation à Médine. À Mecca, les musulmans étaient faibles, en minorité, comme nous aujourd'hui. On est faible, et même si on est beaucoup, on est en minorité toujours. Kassir, Karosa et Saïd. Vous êtes beaucoup, mais vous êtes comme l'écume de la mer, l'écume de l'eau qui coule. Idan, le musulman, et ça c'est une parole d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans son kitab, ou dans sa muqaddima fi usul al-tafsir, il a fait une introduction au fondement de l'exégèse, l'interprétation du Coran, dans laquelle il dit que le Coran se divise en deux grandes catégories, le Mekkois et le Médinois. Le Mekkois concerne les musulmans lorsqu'ils sont en minorité et en faiblesse, dans l'endroit où ils se trouvent. On remarque que les sujets les plus abordés dans cette période sont At-Tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa al-aqidatu umuman, et la croyance en général, afin que la foi du croyant soit forte et consolidée. Et parmi la croyance, en particulier, insister sur le jour du jugement, pour rappeler aux croyants que leur passage ici-bas n'est qu'éphémère, n'est que temporaire, et que leur objectif principal est l'éternité au paradis, afin qu'ils amoindrissent les difficultés qui les entourent et qu'ils les supportent davantage. On remarque aussi qu'Allah tabaraka wa ta'ala insiste beaucoup sur la patience. Fasbir sabran jamila, isbir ala ma yaqulun ila akhirih. Patiente, d'une belle patience. Patiente sur ce qu'ils disent. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ إِلَى آخِرِهِ. Allah dit au prophète alayhi salatu wassalam, que ton cœur ne se resserre pas de douleur à les voir se détourner. Quand il était triste de voir les gens ne pas vouloir croire. Et quand nous comparons la situation aujourd'hui, en termes de force ou de faiblesse, de supériorité ou de minorité, on se rend compte qu'on est plus proche de la période mécoise, même si on est des centaines de milliers. Mais malheureusement, on n'a pas de poids. Pourquoi? Parce que les choses sur lesquelles on doit insister, on n'a pas insisté dessus. Les choses sur lesquelles on doit insister, qui sont la foi, la bonne croyance, les piliers fondamentaux de la conviction du musulman, On les a mis à côté. Et donc, croire au jour du jugement fait que le croyant sait que tout ce qu'il accomplit comme action est inscrit dans son registre. Il sait que devant Allah, tabaraka wa ta'ala, après que l'ange de la mort ait recueilli son âme, un jour, il sera ressuscité et appelé à comparaître devant le juge suprême, Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Pour qu'il lui dise, لَقَدْ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا. Pour qu'il te dise, tu as fait telle chose et telle chose en tel jour et tel jour. لِيُقِرَّكَ بِذُنُوبِكَ. Afin que tu reconnaisses tes péchés. Et vois, quelle sera ta destination finale. C'est à ça, mes frères, que sert la foi dans le jour du jugement. Chaque fois que tu es amené à dire une chose ou à faire une chose, dis-toi qu'il viendra un jour où tu seras ressuscité sans vêtements, sans chaussures, incirconcis,
ce jour où tu fuiras ton père et ta mère, ton frère et ta sœur, ta femme et tes enfants. Pour chacun ce jour-là, la devise sera moi d'abord, moi d'abord. On entend des phrases aujourd'hui, wallah, sortir de la bouche de certaines personnes. Wallahi la yusaddiquhu al-aql. Wallahi la yusaddiquhu al-aql. ولو كنا قد سمعنا هذه الأقاويل الشنيعة التي يهتز الشعر منها من بعض الناس الذين عرفوا بالابتعاد عن المساجد والصلاة والطاعة والالتزام لقلنا هذا يناسب حاله ولكننا اليوم نسمع كلاما قد تخر علينا بسببه الأحجار من السماء من أناس يدعون الالتزام ويعتادون الحضور في المساجد ويعمرونها ويقفون في الصف الأول إلى غير ذلك فإلى الله المشتكى عمرنا المساجد وأصبحت قلوبنا خالية من ذكر الله ومن تقواه ومن خشيته ومن خوفه فالله المستعان فلو كنا نركز على الباطن كما نركز على الظاهر لكانت الأمور أحسن. On entend aujourd'hui, mes frères et wallah, n'importe quel imam de mosquée, je pense qu'il serait d'accord avec moi. Des gens qui viennent nous voir, on entend des conflits, des disputes entre les musulmans, on entend des paroles sortir de la bouche de certaines personnes qui font que les cheveux ils s'hérissent, les poils ils s'hérissent sur tes bras, sur ton corps. Les cheveux, ils s'hérissent sur ta tête. Je dis, mais non, c'est pas possible. Une parole comme ça sortir de la bouche d'une personne qui n'est pas connue pour prier, qui n'est pas connue pour aller à la mosquée, qui est connue pour faire des désobéissances, on dira, bon, ça concorde avec son état. Mais wallahi, des fois, on entend des phrases sortir de la bouche de personnes qui prétendent avoir une pratique religieuse assidue et sérieuse, des personnes qui remplissent les mosquées, des personnes qui ont l'habitude d'être au premier rang dans la mosquée. Wallahi, des anecdotes par centaines, par milliers. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société matérialiste. Il y a de ça, 5-10 ans, quand les, comment ça s'appelle là? Les plasmas, les écrans plats, ils sont sortis. C'était le luxe. Personne imaginait que il en aurait un dans son salon. Mais après, il y a Tanafus. La concurrence qui a été ouverte. Le voisin en a acheté un, Ta'al-Fouq, et l'autre Ta'al-Tahit, il en a acheté un aussi, et l'autre à droite, l'autre à gauche, moi aussi il m'en faut un. Kadalik, t'as ta petite 205, essence avec le starter encore, et la Khalil a le dernier 307, et tu le vois te dépasser sur l'autoroute, et t'as l'alarme qui arrive dans le coin de l'œil. Et tu dis, moi aussi je veux le 307. كذلك الدار tu galères dans ton petit F2 et là Khalid s'achète un pavillon ولكن هيهات هيهات ne te précipite pas mon frère متاع الدنيا قليل متاع الدنيا قليل la jouissance de ce bas monde elle peut et éphémère et c'est seulement envoyer les gens multiplier les raka'at à la mosquée ou bien donner de l'aumône, ou bien faire le bien de différentes façons, et que ça nous pousse à en faire autant, ça aurait été bien. On a oublié mes frères, on a oublié mes sœurs, on a oublié mes enfants, on a oublié mes parents, que bientôt, nous tous ici on mourra, et bientôt, on sera ressuscités, dans un jour terrible. Un jour terrible. Un jour qu'Allah tabaraka wa ta'ala a nommé de plusieurs façons dans le Coran. Et regarde bien, ya akhi. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas mettre des noms différents pour rien. Il y a une hikmah, une faïda, une sagesse, un intérêt derrière cela. Pourquoi Allah il va donner plusieurs noms différents au même jour? Si ce n'est pour t'informer d'un détail particulier.
à travers ce nom-là. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Yawmiddin. Le roi du jour de la rétribution. Ad-Din, bima'na al-jaza. La rétribution. Ce jour-là, Allah, il va te rétribuer pour tes actes. In khayr fa khayr wa in shar fa shar. Si tes actes étaient bons, tu seras rétribué en bien. Et si c'était mauvais, tu seras rétribué en mal. يَوْمَئِذِي يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقِّ أَيْ عَمَلَهُمْ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينَ. Ce jour-là, ils seront rétribués pleinement pour leurs actions et réellement. Et ils sauront alors qu'Allah est le juste et clair. Allah est le jour du jugement. يَوْمَ الْفَصْلِ. Le jour de la distinction, de la séparation. حيث يفصل بين أهل الجنة وأهل النار. Car on séparera les gens entre ceux qui iront au paradis et ceux qui iront en enfer. Allah il a appelé le jour du jugement, يوم الحشر, le jour du rassemblement. Les gens seront ressuscités et sortiront de leur tombe et ils seront rassemblés avant que le jugement ne commence. Et قبل ذلك كله يوم القيامة. القيامة, ça vient du fait d'être debout, du قيام. والتاء في آخر الكلمة للمبالغة كقوله سبحانه إن الإنسان على نفسه بصيرة بصيرة. هذه التاء للمبالغة وكقوله تعالى فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين صابرة بالتاء. وهذه التاء ليست تاء التأنيث وإنما هي تاء تدل على المبالغة. القيامة أي المبالغة في القيام. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Un jour long dans lequel les gens seront debout, ils resteront debout longtemps, un jour long qui durera 50,000 ans. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Cela ne pense-t-il pas qu'ils seront ressuscités pour un jour terrible, le jour où les gens seront debout pour le Seigneur des mondes. يوم القيامة. Quand tu entends ce mot, dis-toi ya akhi qu'il viendra un jour où tu resteras debout longtemps. Pourquoi? Pour attendre qu'Allah vienne te juger. Pourquoi? Pour savoir où tu vas finir, au paradis ou en enfer. Allah il appelle le jour du jugement dans le Coran يوم التلاق. يوم التلاق بحذف الياء يعني التلاقي. فكل بشر يلاقي ربه عز وجل في هذا اليوم ويلاقي حسابه ويلاقي أعماله ويلاقي جزاءه. Le jour de la rencontre, tu vas rencontrer qui à ce jour-là? Ton Seigneur. Ton Seigneur, celui en qui tu as cru sans le voir, sans l'entendre. Tu l'as cru, car tu as cru en lui, car il a fait descendre ses livres et envoyer ses prophètes. Ce jour-là, tu l'entendras. قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. Il n'y en a pas un parmi vous sans que son Seigneur ne lui adressera la parole directement. Il n'y aura pas d'interprète entre eux. Tu rencontreras ton Seigneur. Tu rencontreras tes actions. Tu rencontreras ton jugement. Et tu rencontreras ta rétribution. يوم التلاق. إلى غير ذلك من أسماء يوم القيامة التي كثر ذكرها في القرآن. Et d'autres noms dans le Coran qui sont nombreux, retournez-y
et réfléchissez dessus. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un de ces noms, Yawm al-Tanadi, le jour de l'appel mutuel. Ça, c'est comme ça que c'est traduit, car c'est le sens général qu'on donne à ce mot. Mais sachez que les savants du tafsir, ils donnent deux sens à ce mot-là, en fonction d'une lecture différente des autres, qui mettent une shadda, qui appuie sur la dernière lettre, at-tanad, qui vient du verbe nadda, yanuddu, idha hariba, al-hurub, ça veut dire s'enfuir. Le jour de la fuite, on pourrait traduire ça comme ça. Donc ce mot, at-tanad, il peut soit vouloir dire l'appel mutuel, soit, selon une lecture, la fuite. Pourquoi la fuite? Car les gens, lorsqu'ils seront ressuscités, mes frères, yawm al-qiyam, sans vêtements, sans chaussures, le soleil sera proche de leur tête, et Allah tabaraka wa ta'ala, il appellera l'enfer. Et l'enfer sera tiré par 70 000 anges, par 70 000 brides, et pour chaque bride, 70 000 anges. Et lorsque l'enfer verra les gens, elle hurlera, إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا. Lorsque l'enfer les verra de loin, ils l'entendront vociférer et hurler. Qu'est-ce qu'il se passera? Ils se sauveront. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. Lorsque le regard sera ébloui et que la lune s'éclipsera et que le soleil et la lune se réuniront, l'être humain ce jour-là dira: où fuir? Non, il n'y a pas d'échappatoire. Le retour ce jour-là se fera auprès de ton Seigneur. Ce jour-là, l'être humain sera informé sur ce qu'il a accompli avant et après. Est-ce qu'ils se contenteront de vouloir fuir les gens? Non, ils partiront. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. Le jour où vous tournerez le dos, مدبرين, يوم تولون مدبرين, le jour où vous tournerez le dos en partant, ما لكم من الله من عاصم, vous n'aurez personne pour vous protéger d'Allah. وَمَنْ يُظْلِلِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Alors les gens, ils partiront. Mais où ils iront? Allah, il leur dit: يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ. Ô vous, communauté des êtres humains et des djinns, si vous pouvez dépasser les limites des cieux et de la terre, alors faites-le. Vous n'y arriverez qu'avec une force immense. Alors ils partiront. Et lorsqu'ils arriveront aux confins, aux limites, ils trouveront quoi? Des rangées d'anges. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا عَنِ الْمَلَائِكَةِ عَلَىٰ أَرْجَائِ إِشْ الْأَرْضِ عَلَىٰ أَرْجَائِ الْأَرْضِ. Ils trouveront les anges en rang à garder les limites de la terre. Et ils les renverront à l'endroit d'où ils sont venus. Et ils les renverront à l'endroit d'où ils sont venus. Et lorsqu'ils verront l'enfer, ils s'effondreront à genoux. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَافِيَةٍ. Et tu verras chaque communauté tomber à genoux. Chaque communauté a désespéré
d'un quelconque échappatoire, d'un quelconque sauvetage. Le jour de la fuite, yawmat tanad, avec la shadda sur le dal. C'est une qira'a rare que pas beaucoup de gens connaissent. La plupart des qira'at disent at-tanad, avec le dal mukhaffaf, allégé, qui signifie l'appel mutuel. L'appel mutuel. Pourquoi on appelle ce jour-là ainsi? Car on regarde dans le Coran, dans les versets où Allah tabaraka wa ta'ala nous décrit le jour du jugement, et on se rend compte que dans de nombreux versets, on a droit à ce qu'on dit en bon français un héros, pas H-E-R-O-S, H-E-R-A-U-L-T, quelqu'un qu'on met avec une forte voix pour appeler les gens. On regarde dans le Coran et on trouve des nida'at, adida, kathira, des appels différents, mukhtalifa, et nombreux. Alors, les savants, bien entendu, ont fait ce travail de recueil de chacun de ces versets et les ont mis dans leur ordre en fonction de leur, comment dirais-je, échéance ce jour-là. Le premier, en termes de temps, est dans surat Qaf, à la fin. Quand Allah Ta'ala a dit « وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ » Et écoute, prête l'oreille, le jour où l'appel, où l'appeleur appellera d'un endroit proche. De qui s'agit-il? Quel est cet appel? Qu'est-ce qu'il va dire? Les savants de tafsir nous disent qu'il s'agit de Jibril alayhi salam. Jibril alayhi salam gravira un rocher juste avant qu'Allah ordonne à Israfil de souffler dans la trompe. Et il appellera. Il appellera qui? Il dira أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة ويا عظاما نخرة ويا أكفانا فانية ويا قلوبا خاوية ويا أبدانا فاسدة ويا عيونا سائلة قوموا لعرض رب العالمين. Il dira alayhi salam, ô vous les eaux dépéries et les articulations détruites, ô vous squelettes qui avez pourri dans vos tombes, ô vous linceul qui avez été mangé par les mythes, ô vous les cœurs qui sont devenus vides, ô vous les corps qui ont été décomposés, ô vous les yeux qui avaient fondu et coulé, réunissez-vous et levez-vous pour passer devant le Seigneur des mondes. فَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ. Écoute bien ce jour où l'appeleur appellera d'un endroit proche. Ce jour-là, les gens seront encore dans leur tombe. C'est juste avant la résurrection. Juste avant. Et c'est Jibril alayhi salam qui remplira cette fonction d'appeler les membres du corps qui ont cessé d'exister. Ces membres du corps qui sont devenus poussière. En les appelant, voici qu'ils se reforment par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala pour former à nouveau un corps. Et voici qu'Israfil, après l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, soufflera dans la trompe le souffle de la résurrection. Et voici que les gens sortiront de leur tombe. Deuxièmement, dans le Coran, lorsqu'on recherche ces nida'at, ces appels, ces gens qui s'appellent les uns les autres, donc les gens sortent de leur tombe et ils attendent un long moment avant qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne vienne les juger. Ensuite,
Allah tabaraka wa ta'ala ordonnera à chaque communauté de suivre ce qu'elle adorait ici-bas. Et quand tous les associateurs finiront en enfer, ou du moins se dirigeront vers l'enfer, il ne restera que deux catégories de personnes. Les croyants sincères et les hypocrites. Les hypocrites, ces gens qui ont manifesté la foi, qui ont montré l'obéissance, alors qu'ils cachaient dans leur cœur la mécréance. Ils resteront là avec les croyants. Et Allah tabaraka wa ta'ala donnera à chaque croyant une lumière coïncidente à ses actions pieuses et vertueuses. Et même les hypocrites en auront une. Mais très peu de temps après, elle leur sera retirée. Et malgré leur proximité des croyants, ils ne pourront pas profiter de leur lumière. Et ils n'arriveront pas à les suivre. Alors ils les appelleront. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير أسأل الله السلامة والعافية. Le jour où les hypocrites hommes et femmes diront aux croyants: attendez-nous afin qu'on profite de votre lumière, on leur répondra: retournez derrière, cherchez de la lumière ailleurs. Et voici qu'un mur s'érigera entre eux. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ. Un mur s'érigera entre eux, entre les croyants et les autres. Ce mur, il a une porte. À l'intérieur, la miséricorde. Quelle est-elle? Le paradis. À l'extérieur, le châtiment. Quel est-il? L'enfer. Alors les hypocrites les appelleront al-nida, al-tanad, ils s'appelleront alam lakum ma'akum, n'étions-nous pas avec vous, nous avons fait le hajj avec vous, pendant le ramadan nous jeûnions avec vous, et pendant tarawih nous serrions avec vous dans les rangs, nous étions avec vous quand on donnait l'argent, nous étions avec vous quand il fallait nourrir le pauvre, nous étions avec vous ici-bas. Et oui, c'est vrai, ils étaient avec nous, mais seulement en apparence, une carcasse vide d'âmes, des gens qui veulent se faire voir et entendre des autres, des gens qui ne cherchent pas la récompense d'Allah, mais qui cherchent la gratitude des gens. Alam nakum ma'akum, n'étions-nous pas avec vous? Qalu bala, mais oui, bien sûr, vous étiez avec nous. Walakinnakum fatantum anfusakum. Mais vous vous êtes éprouvé vous-même. Comment? بِالتِّبَاعِ الْأَهْوَاءِ وَالشَّهَوَاتِ وَالْلَذَّاتِ وَالْمَعَاصِ. Comment? En suivant vos passions et vos plaisirs et vos désirs et le péché. Ça ne vous intéressait pas, la droiture. La piété ne vous intéressait pas non plus. Tout ce qui vous intéressait, c'était de suivre vos passions, d'assouvir vos désirs. وَلَكِنَّكُمْ فَتَلْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ تَرَبَّصْتُمْ قَالَ الْمُفَسِّرُونَ تُؤَجِّلُونَ التَّوْبَةَ وَقْتًا بَعْدَ وَقْتٍ. تَرَبَّصَ, ça veut dire attendre. Mais attendre quelque chose. Attendre quoi? Eux, ils faisaient que retarder le repentir. Ils disaient pas maintenant, plus tard on se repentira. Là, dans le péché, on est bien, on est encore jeune, on n'a pas de problème, on a de l'argent. Pas la peine de se repentir maintenant. Quand on sera vieux, on se repentira. Mais al-hal, comme des fois, tu as des parents, wallah, ma tfem waloun, ta fait dunya. Des parents qui voient leurs enfants, fi ray'an shabab, dans la fleur de l'âge des jeunes.
Allah تبارك وتعالى فتح على قلوبهم. Allah il a ouvert leur cœur. وهداهم إلى السواء السبيل. Et il les a guidés vers le plus droit des chemins. On voit des jeunes qui d'eux-mêmes, sans que leurs parents ne leur disent, va à la mosquée, apprends le Coran, fais la prière. Ils se retrouvent à la mosquée, à faire la prière, à apprendre le Coran. Et des parents qui disent à leurs enfants, ما تضيعش الشباب ديالك علاك مازال صغير وفين غادي دابا كتحج وعلاش كتدير اللحيه وعلاش كتدير القميص علاش مازال صغير خاضع حتى تكبر والله سمعناها مرارا وتكرارا اليس كذلك للاسف بلاء كومان بارون اتون دو دير ا لورز انفون اي بوكوا تو فا لا موسكي تا 18 ans تا 20 ans regarde les jeux de tournage comme ils sont dehors ils ont des beaux vêtements ils ont des belles voitures ils ont des copines ils travaillent. Pourquoi toi tu vas à la mosquée, t'es jeune? Pourquoi tu laisses la barbe? Ça va te vieillir. Pourquoi tu mets le qamis? Pourquoi tu fais le hajj? Moi j'ai fait le hajj à 50 ans. Toi t'en as que 20, pourquoi tu veux faire le hajj? Wallahi ajaban. Wallahi ajaban. Wallahi c'est étonnant. Wallahi c'est impressionnant. Wallahi c'est effarant, on ne comprend plus rien. Normalement, le parent est celui qui veut le plus de bien pour son enfant. Wallahi saddiquni ou la tusaddiquni ayu khayrin a'zamu min al-iltizami fi hada ad-din. لا سيما في سن الشباب quel bien meilleur que suivre les ordres d'Allah عز وجل encore plus quand on est jeune سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله sept catégories de personnes elles seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura donc que la sienne un imam un gouverneur droit juste et après un jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah. Et wallahi, mes frères, plus c'est dur, et plus la récompense sera grande. Wallahi, mes frères, on vit une époque où les shahawat et les levvat, elles se comptent pas, elles sont indénombrables, elles sont partout, même si tu restes chez toi, elles viennent à l'intérieur. Elles te suivent, elles te traquent, elles te laissent aucun répit. Et subhanallah, tu t'accroches à la prière. Et subhanallah, tu t'accroches à la sunna et subhanallah, tu t'accroches à la mosquée. Wallahi ya akhi abshir. Wallahi ya akhi abshir, réjouis-toi. Car même si tu fais des péchés, bi'idhnillahi ta'ala, cette fougue et cet acharnement que tu as dans ta religion, bi'idhnillahi te sauvera yawm al-qiyamah. Quand tu as été jeune et que tu as obéi à Allah, pendant que les vieux, ils désobéissent. Et pendant que les gens de ton âge, ils sont en train de suivre leur passion et de courir à leur perte. Ihmad rabbaka ya akhi. احمد ربك يا اخي والله sois reconnaissant et loue ton Seigneur pour cette énorme grâce qu'il t'a fait. Ne regarde pas tes copains de l'école qui ont des belles voitures et des beaux vêtements et qui ont de l'argent. Là, wallah, t'es meilleur qu'eux. Wallah, t'es meilleur qu'eux. Même si tu touches pas d'argent, même si t'as des vêtements craqués, même si t'as pas de voiture, wallah, t'es meilleur qu'eux, ya akhi. T'es musulman, t'es croyant au 21e siècle en France. C'est un exploit. C'est un exploit. Nzido en région parisien. Voilà, sors, fassirou fil arb. Fanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qabl. Voilà, partez. Allez voir les gens comment ils sont. Vous allez voir. Rajab al-Ujjal. Des choses étonnantes. Et wa? Walakinakum fatantum urvin munafiqin. Fatantum anfusakum mutarabbastum. Mazal al-hal. Entoum m'ba'd. Fatawba plus tard. Hein, je suis encore jeune, c'est pas grave, je serai taouba plus tard. Et voilà, une voiture passe. Et voilà, il tombe malade. Et bien des fois même, maoutou le fajah. Ça, oh là là, la mort subite. On a vu des joueurs de foot, vous avez tous vu les vidéos. Des conditions physiques à faire pâlir de jalousie n'importe qui parmi nous. Il court toute la journée sans se fatiguer. Et en plein match, pas, il tombe, il est mort. Qui lui a dit que ces pas qu'il faisait sur ce terrain-là, c'était les derniers. Qui lui a dit que la dernière action sur laquelle sa vie serait clôturée, c'est taper dans un ballon? Quelle action dérisoire, qui n'a aucune valeur. Tu seras ressuscité yawm al-qiyamah en train de taper dans un ballon. Qu'est-ce que ça va t'apporter, quoi? Rien. Rien du tout. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَلَبَّسْتُمْ وَارْتَبْتُمْ اي شككتم وترددتم اي بوزاجي دي دوت شككتم في ان بعد الموت بعث
ba'tha. Vous avez des doutes qu'après la mort, il y aura une résurrection. Les gens sont là, on dirait, je sais pas, peut-être qu'il n'y a rien à la fin. Les doutes philosophiques qui ont été hérités des générations gréco-romaines et qui ont été infiltrés dans l'éducation générale et commune, vivre dans une société athée, dans laquelle les gens, pour eux, la seule vie qu'ils ont, c'est celle d'ici-bas, c'est tout. Et même des gens, des fois, musulmans, tu dis, ouais, c'est vrai, je fais la prière, mais Allah a'alim, je sais pas, peut-être qu'il n'y aura rien. Wallah ajib. Wallah ajib. Wartabtum. Et vous aviez des doutes. Wagharratkumul amani. L'amani, ma hiya. Sayughfaru lana. Aïe, l'amani. L'amani, c'est les espoirs trompeurs. Wagharratkumul amani. Vous avez été trompés par vos désespoirs vains. Qu'est-ce que c'est? On peut faire ce qu'on veut, Allah va nous pardonner. Taqwa hahuna. كلمة حق أراد بها باطلة. Une parole réelle avec laquelle ils ont voulu le faux. Fais rien, ما يعرف والو, ما يعرف ربه, ما يعرف المصحف, ما يعرف الصلاة, ما يعرف الحسنات, ما يعرف الخير. إنه دائما في الشر والمعصية ثم يأتيك قائلا التقوى ها هنا. يا سبحان الله. Il ne connaît pas le bien, ni la prière, ni le Coran, ni la mosquée, ni les bonnes actions. Il connaît que le mal. Et il va se voir après, il te dit quoi, la piété est dans le cœur. Gharratkum al-amani. Ou bien il te dit quoi, Allah ghafurur rahim. Na'am, Allah ghafurur rahim. Sah. Nabbi' ibadi anni ana al-ghafurur rahim. Et je ba'daha. Fanna azabi huwa al-azabu al-ali. Informe mes serviteurs que je suis le pardonneur et le miséricordieux et que mon châtiment est le châtiment douloureux. Hamim. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب إيش؟ شديد العقاب شديد العقاب. Le pardonneur du péché est celui qui accueille le repentir et celui qui est dur en punition. يا سبحان الله يا أخي. الله تبارك وتعالى il a chassé Iblis du ciel pour une sajda qu'il a refusé de faire. Et il a chassé Adam du paradis pour un acte auquel il n'a pas obéi. Et il a fait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit blessé pendant la bataille de Uhud gravement, plusieurs fois, à la tête, au visage et dans ses membres. Il a perdu des dents parce que quelques personnes ont désobéi à un de ses ordres. Et toi, qui désobéis jour et nuit, tu crois qu'Allah va te pardonner? Iyakum wa muhaqqirati dhunub. Iyakum wa muhaqqirati dhunub. Prenez garde au péché dénigré. Moi je désobéis à Allah, mais moi j'ai rien à craindre. T'es qui toi? T'es quoi toi? T'es meilleur que le prophète alayhi salatu wassalam? Abadan. Wartabtum wa gharratkum al-amani hatta jaa amr Allah. Un espoir vain vous a trompé à croire qu'Allah vous pardonnera malgré les péchés que vous faites sans vous repentir jusqu'à ce que l'ordre d'Allah est venu, jusqu'à ce que la mort vous a surpris. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. Et c'est le gharour, الشَّيْطَان. El gharour, le trompeur par excellence. C'est qui? Iblis. Iblis. وَجُنُودُ. واستفزز منهم من استطعت باسمك واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. الله لدي كوا ابليس كون لا شاسي دو سيال اكسيت سو كو تي بورا parmi eux avec ta voix et attaque-les اجلب عليهم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ avec tes cavaliers et tes fantassins. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ et associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants. وَعِدْهُمْ et promets-leur, fais-leur des promesses. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا et le shaytan ne fait que leur promettre des illusions.
يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Qu'est-ce qu'il dira à l'être humain يوم القيامة ويوم يعظ الظالم على يديه. Et le jour où l'injuste se mordra les doigts. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Si seulement j'avais pris avec le messager le même chemin. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. Malheur à moi. Pourquoi j'ai pris un tel comme ami. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. Il m'a certes égaré du rappel après qu'il me soit parvenu. وكان الشيطان للإنسان خذولا. Et الشيطان, il abandonne l'être humain. Il t'abandonne. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. C'est comme الشيطان. Quand il dit à l'être humain, mécrois. Et quand l'être humain, il le suit. Et il mécrois en Allah. Qu'est-ce qu'il dit vis-à-vis de l'Al-Qiyama? Inni bari'un mink. Je me désavoue de toi. Je suis innocent de ce que tu as fait. Inni akhafullaha rabbal alami. J'ai peur d'Allah le Seigneur des mondes. وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Le trompeur, il vous a éloigné d'Allah Azza wa Jal. Avec ses tromperies, il vous a éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi la fin, mes frères? فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. Ce jour-là, nous ne prendrons aucune rançon de vous, les munafiqin. أعاذنا الله وإياكم من النفاق ومن الشقاق ومن سوء الأخلاق. Qu'Allah nous préserve de l'hypocrisie et du malheur ici-bas et dans l'au-delà et du mauvais comportement. عمر رضي الله عنه لا تبع حذيفة رضي الله عنه الذي أنشدك بالله أسماني رسول الله في المنافقين. Je t'implore par Allah, يا حذيفة. Est-ce que le messager d'Allah m'a cité parmi les hypocrites? عمر ابن الخطاب, mes frères. من أنت بجوار عمر؟ وأينك؟ وأنت تحسب نفسك مخلصا؟ وكأنك أبعد ما يكون عن النفاق. فإياكم والأمن من مكر الله. Où es-tu عمر؟ Comment peux-tu considérer que tu es sincère et que tu n'as rien à craindre de l'hypocrisie? Prenez garde à vous sentir à l'abri du stratège d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce jour-là, aucune rançon ne sera prise de vous, ni de mécréants. مأواكم النار. Votre gîte sera l'enfer. هي مولاكم. Elle sera votre maîtresse. وبئس المصير. Et quelle détestable destination. On continue. Les croyants quittent. Les munafiqin, les hypocrites, et ils sont séparés par ce mur. On reviendra tout de suite dessus. Et les croyants entrent au paradis. Les croyants entrent au paradis après être passés sur As-Sirat, sur le pont. Et comme vous le savez, les gens entreront au paradis en fonction de leurs actions. Il y aura entre les pauvres croyants et les riches croyants 500 ans d'espace dans l'entrée du paradis. Les gens se trouveront au paradis. Et les gens, ils passeront sur le pont à des vitesses différentes, toujours en fonction des actions. Et il y aura des gens qui seront bloqués. Des gens qui ne seront ni au paradis, ni en enfer. Qui sont-ils? أصحاب الأعراف. Les gens des limbes. الأعراف en arabe c'est le pluriel du mot عرف. وكانت العرب تسمي كل مكان مرتفع عرفا. Les arabes appellent tout endroit élevé عرف. Et أعراف c'est le pluriel de عرف. La sourate numéro 7 dans le Coran s'appelle la sourate des limbes. الأعراف. وقيل تفسير آخر وهو كما قال الله تعالى وبينهما حجاب أي بين أهل الجنة وأهل النار حجاب. ما هو هذا الحجاب؟ هذا السور الذي سبق ذكره في آية الحديث فضرب بينهم بسور. هذا السور هو هذا الحجاب. وهذا الحجاب حاجز بين أهل النار وأهل الجنة يمنعونهم من الوصول إلى الجنة من عن باته.
Et entre eux, il y aura un voile, il y aura un mur, il y aura une barrière. Cette barrière, ce sera celle-ci sur laquelle se trouveront ces gens. Wa ala al-a'raf rijal, et sur les lames des hommes, rijal. Qui sont-ils? Les savants du tafsir nous donnent beaucoup d'interprétations à cela. Pour ne pas perdre de temps, on va dire celle qui est la plus appuyée par les sahaba et les salaf. Ce sont qawmun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Falahum bi hasanatihim istahaqqu dukhul al-jannah, walahum bi sayyi'atihim istahaqqu dukhul al-nar. Ce sont des gens qui ont autant de bonnes actions que de mauvaises. Ils n'ont pas votre paradis à cause du nombre de leur hasanat qui n'est pas élevé, et ils ne peuvent aussi entrer en enfer à cause de, car ils n'ont pas beaucoup de sayyi'at. C'est la parole qui est la plus appuyée par les pieux prédécesseurs. Des gens qui ont autant de hasanat que de sayyi'at. Donc ils sont bloqués entre le paradis et l'enfer, sur cette barrière qui les sépare. Wa 'ala al-a'raf rijal, et sur les lames des hommes, ya'rifuna kullam bi simahum. Ils reconnaissent tout le monde par leurs traces. Qui est tout le monde? Les gens du paradis et les gens de l'enfer. Quelles traces? Yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Le jour où des visages seront blanchis, resplendissants, et d'autres seront noircis, assombris. Ils reconnaîtront les gens du paradis à la clarté de leur visage, et les gens de l'enfer au fait que leur visage soit sombre. Wa 'ala al-a'raf rijalun, wa 'ala al-a'raf rijalun ya'rifuna kullan bi simahum wa nadaw ha nahnu fi at-tanadi. Ils appellent qui? Ashab al-a'raf. Ils appellent qui? Ashab al-janna. Wa nadaw ashab al-jannati an salamun 'alaykum. Ils appellent les gens du paradis, leur disent quoi? Salamun 'alaykum. Paix sur vous. Salam, est-ce que c'est comme on dit ici? Non. Salamun alaykum, yani sallamakum Allahu min kulli shar. Faha antum dakhaltum al-jannah fa waqakum Allahu min kulli shar wa makruh. Vous êtes à l'abri, préservé, épargné. Paix sur vous. Vous n'avez plus à craindre le mal, le châtiment, la terreur, la crainte. Salamun alaykum. Et ils les voient d'où ils se trouvent, mais ils ne peuvent pas y aller. Salamun alaykum. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Ils n'y rentreront pas. Où? Au paradis. Tout le temps? Non, pour l'instant. Lam yadkhuluha. Lam yadkhulu al-jannah wa hum yatma'un. Et ils espèrent. Ils espèrent tant rentrer au paradis. Imagine-toi, Yah, toute ta vie, t'as été musulman, t'as craint Allah à ta par rapport à ta capacité, mais t'as eu des manquements. Tu arrives ce jour-là, tu traverses le pont, tu te rends compte que tu n'as pas assez de hasanat pour entrer au paradis, mais que tu n'as pas assez de sayyi'at non plus pour entrer en enfer. Alors on te bloque. On te bloque. Ils appellent ça en français le purgatoire. Et de ta place, tu vois les gens du paradis, et t'es comme ça. Oh là là, il a coûté, moi je peux pas y aller. Mais à force de regarder, لم يدخلوها وهم يطمعون, ils espèrent. Et regarde le verset d'après. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ وَلَمْ يَقُولْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَإِذَا صَرَفُوا أَبْصَارَهُمْ بَلْ بَنَاهَا لِلْمَجْهُورِ. Le verset suivant, Allah dit, et lorsque leur regard sera détourné. On remarque, pour ceux qui connaissent l'arabe, que le verbe ici est conjugué à la voix passive et pas à la voix active. Il n'a pas dit, et lorsqu'ils détournent leur regard. Non. Et lorsqu'on détournera leur regard. Ils ne veulent pas regarder les gens de l'enfer, ils veulent regarder les gens du paradis. Il ne faut pas qu'ils oublient que l'endroit où ils se trouvent, ils ne sont pas censés savoir qu'est-ce qui va leur arriver. Et même s'ils ont lu le Coran auparavant et qu'ils savent la fin des choses, ce jour-là, la terreur sera tellement grande qu'elle te fera tout oublier. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ. Lorsqu'on détournera leur regard, ce ne sera pas de leur propre chef qui regarderont ailleurs. On leur fera voir ailleurs. Vers quoi? Vers où? Vers l'enfer.
وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار. Et lorsque leur regard sera détourné vers, face aux gens de l'enfer, et ils verront les gens de l'enfer, et les reconnaîtront, et les verront être châtiés, brûlés, carbonisés, torturés. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. Ils diront, Ya Allah, ne nous mets pas avec le peuple des injustes. Ya Allah, préserve-nous de cela. Ya Allah, épargne-nous ce châtiment. Ils ne voudront pas y aller. Ils auront peur. Parce qu'ils sont entre les deux. Ils sont entre les deux. لهم حطوا أرجلهم في الجنة ولهم ابتعدوا عن النار. Ils n'ont pas posé leurs pieds au paradis et ne se sont pas donnés de l'enfer. Ils savent pas encore. En suspens. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. بعدها قال سبحانه ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. في الأول في البداية تكلموا مع أهل الجنة سلام عليكم، وفي النهاية لما صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. Là, les gens des limbes, lorsque leur regard sera détourné vers les gens de l'enfer, ils leur parleront. Ils leur diront, ah, vous vous rappelez avant, fit dunya, kuntum tajtami'una vidda al-muslimina wal-mu'minina wa ashab al-iman. Fama aghna ankum hada l'ishtima' wa kuntum tastakbiruna anhum, fatarawna anfusakum a'launa minhum. Fama nafa'akum hada al-ulu, wama nafa'akum hada al-takabbur, bal ja'alakum allahu fi أسفل سافلين وكبكم الله على مناخركم في سواء الجحيم. Ils leur diront, ah, votre vos réunions ici-bas et votre orgueil envers les gens de la foi ne vous a servi à rien. Ça, c'est les gens de l'Araf qui parlent aux gens de l'enfer. Ils leur rappellent comment ils étaient ici-bas. Quand les gens de l'enfer, les gens de ce bas monde, ils se réunissaient. Et ils croyaient que parce qu'ils étaient beaucoup, ils avaient forcément le pouvoir et la force sur les autres. Alors ils s'enorgueillissaient sur eux. Et ils les rabaissaient. Et ils les humiliaient. Et lorsqu'ils passaient, ils se moquaient d'eux. إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَاكِهِينَ وَإِذَا انْقَلَبُوا فَاكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. هكذا يقولون. Les criminels, ici-bas, se moquaient des croyants. Et lorsque les croyants passaient près d'eux, ils se faisaient des clins d'œil. Ils disaient, regarde comment il est. Wallah, on l'a vu ça. Tu passes comme ça. Encore des koufars, ils nous le font. Wallah, aide. C'est normal, c'est pas grave, ça me dérange pas. Les koufars, c'est normal, ils sont pas croyants, ils croient pas en Allah, ils croient pas en l'islam, ils croient pas en Coran. Ils me voient moi avec ma barbe et mon kamis, ils font des trucs comme ça. Ça me dérange pas, c'est pas grave, c'est des koufars. Je comprends qu'ils me prennent pour un fou, moi aussi pour moi c'est des fous ces gens-là. Mais quand tes frères à toi, tu passes près d'eux, et qu'ils te disent salam alaykoum, qu'ils te disent la baisse, et que quand tu tournes le dos, ils se font des clins d'œil, je ne sais pas. Hein? Ils disent, regarde cette barbe de shaitan, ils te disent. Wallah, shaitan, c'est toi. Tu peux avoir la peau la plus lisse du monde. C'est toi le shaitan, wallah. Wallah, c'est toi le shaitan. Tu peux avoir le pantalon velours le plus repassé du monde. Les chaussures pointues à l'italienne, là. Les cols qui descendent comme ça, t'es moche. Même si tu restes devant ton miroir pendant des heures, tu crois que t'es beau, wallah, t'es moche. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا ne regarde pas vos visages ni vos formes ni vos corps mais il regarde vos cœurs et vos actions. والله هذه اللحية عمل عظيم نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى وبها نظهر محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداءنا به وَإِثَارَنَا إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِهِ. Cette barbe que tu n'aimes pas,
Avec elle, on se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Avec elle, on montre qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec elle, on montre que c'est lui notre modèle et que c'est lui qu'on préfère sur les autres. Car mon frère, que tu le veuilles ou non, tu imites et tu suis quelqu'un. Que tu le veuilles ou non, tu imites et tu suis quelqu'un. Alors si tu dois imiter quelqu'un et suivre quelqu'un, suis le meilleur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Il y a pour vous, dans le messager d'Allah, un très bon exemple pour celui qui espère en Allah et au jour dernier et évoque Allah beaucoup. Alors que les gens choisissent. Regarde la télé. Ah, il est pas mal celui-là. Ah, il a un bouc. Je vais me faire un bouc moi aussi. Je vais me faire le spaghetti. Là, attrape pas le spaghetti, là, la muselière. Hein? On dirait qu'il pose un bol là et puis il rase autour. Et alors à la fin, il dit, ah, je suis beau, moi je ressemble au chanteur là, je suis là, le rappeur là, qui dit là, qui le barbe comme ça, c'est comme ça on est. Chintum am abaytum, c'est comme ça. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Tout le monde, il a un modèle ici, tout le monde. Tout le monde, quand tu mets une veste jaune, un pantalon vert, des chaussures bleues, c'est que tu as vu quelque part quelqu'un comme ça, tu as voulu faire comme lui. C'est comme ça. C'est tout. المهم ابتعدنا excusez-moi je suis parti loin. المهم revient اصحاب الاعراف il dit des gens de l'enfer ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. Vous étiez orgueilleux avant, vous vous moquiez des croyants avant, vous vous réunissiez contre eux avant, et Allah de ton enfer, qu'est-ce qu'il y a? ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. Et après il y a un uslub balaghi dans ce verset qu'on appelle al-iltifat. C'est-à-dire que dans le même verset, on change d'interlocuteur sans qu'Allah Ta'ala ne le montre. Mais on le comprend dans le contexte du verset. أَهَاؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ. Quand les gens de l'A'raf ils vont dire aux gens de l'enfer, ah, vous étiez réunis ici-bas, ah, vous étiez orgueilleux, et ben voilà, vous êtes en enfer. Et ben les gens de l'enfer aussi vont se moquer d'eux. Et dire, et vous étiez musulmans. Et vous, vous allez à la mosquée, et ben voilà, vous êtes bloqués ici. Et bientôt vous allez nous rejoindre en enfer. Vous n'irez pas au paradis, vous allez revenir avec nous. Et leur ont dit ça. Et là, les gens de l'A'raf, ils ont eu mal au cœur. Ils ont eu peur que ce qu'ils disent, c'est vrai. Et là, Allah, il envoie les anges. Il envoie les anges, et ils répondent à leur place. Et même les gens de l'enfer, ils ont juré, ils ont dit, Wallah, vous allez nous rejoindre en enfer. Tellement ils ont le hiqd wal barda fi qulubihim. Tellement ils ont la haine dans leur cœur, envers eux. Et là, les anges, ils répondent à la place des croyants. Inna Allah la yansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Nous allons venir au secours de nos messagers et de ceux qui croient ici-bas et le jour où les témoins seront appelés à comparaître. Yawma al-qiyamah. Allah, il t'envoie quelqu'un pour venir à ton secours. Et là, il envoie les anges pour répondre à la place des gens de l'A'raf. Et ils disent, أَهَاؤُلَا الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ. Est-ce que c'est d'eux dont vous juriez qu'ils n'iront pas au paradis? أصحاب الأعراف. لَا يَنَالَهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ. Comme quoi, ils ne seraient pas touchés par la miséricorde. Est-ce que vous parlez d'eux? Vous avez juré sur Allah, vous les gens de l'enfer, que les gens de l'A'raf, ils n'iront pas au paradis? Alors ils leur diront quoi? أُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ. Allez-y, entrez au paradis. Et là, il parle aux gens de l'A'raf. Allez-y, entrez au paradis. La période que vous avez passé à attendre est finie et vous avez mérité aujourd'hui votre entrée au paradis. Et les gens de l'enfer, yazdadouna hasratan ala hasratihim. Ils auront encore plus de regrets sur leurs regrets. Mais aussi, ils verront que le tam' yanfa. Ils verront que l'espoir, il est utile. Ils ont espéré entrer au paradis, ils sont entrés au paradis. Alors ils vont essayer de gratter. Et on passe au verset suivant. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ. Et les gens de l'enfer appellent les gens du paradis. Parce que tu peux lui parler même s'il y a entre vous une distance énorme. On s'appelle, on s'entend. ونادى أصحاب النار جند الأنفار أبل جند الباراديس أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء verser sur nous de l'eau
أو مما رزقكم الله. Ou bien une chose qu'Allah vous a donné comme nourriture. Les anges, ils viendront voir les gens du paradis, ils leur diront, ajibou, répondez-leur. Alors les anges du paradis diront, inna Allah harramahuma ala al-kafiri. Allah les a interdits aux mécréants. Rien, vous n'aurez rien, si ce n'est ma kalmuh li yashwi al-wujuh, si ce n'est zakum yuqatti'u al-am'a, si ce n'est as-sadid wal-rislin. وغير ذلك مما سيأكلونه ويشربونه. Vous n'aurez rien, si ce n'est une eau bouillante qui fait fondre la peau du visage. وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. S'ils demandent à boire, on les abreuvera avec une eau comme le métal fondu. Il fait fondre le visage. Il fait griller les lambeaux de la peau, du visage. Vous voulez boire, vous aurez ça. Ou bien vous aurez du pu. Vous voulez manger, vous aurez zakoum, cet arbre de l'enfer qui remplit le ventre, mais qui n'enlève pas la faim. La yusmin wa la yughni min jou'. Il ne fait pas grossir et il n'enlève pas la faim. Les gens du paradis, après que les gens de l'Araf seront, les auront rejoints, ils appelleront les gens de l'enfer. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Les gens du paradis appelleront les gens de l'enfer. Ils leur diront, nous avons trouvé ce que notre Seigneur nous a promis comme étant vrai. Et vous, avez-vous trouvé ce que est-ce qu'on vous a promis comme étant vrai? Nous, on nous a dit, les croyants, obéissez à Allah, suivez le prophète, et vous irez au paradis éternellement, vous n'en sortirez jamais. Et on a trouvé cette promesse réelle. فَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَ هَيَّ. Al-Husna, c'est cette promesse véridique du paradis. Et tu y as cru, alors tu as agi en conséquence. Et Allah t'a rétribué de la meilleure façon. وَأَنْتُمْ. Et vous, gens de l'enfer, avez-vous trouvé ce qu'on vous a promis comme étant vrai? Comme quoi, si vous ne croyez pas, vous irez en enfer et vous ne sortirez jamais. قَالُوا نَعَمْ. Ils diront oui. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Quelqu'un appellera entre eux et dira malheur, malédiction aux injustes. Et là, كَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقال هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هو الموت وكلهم قد رآه. ثم ينادي منادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقال هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم وكلهم قد رآه. فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وفي رواية فلولا أن الله قضى لأهل الجنة الحياة والبقاء لماتوا فرحا ولولا أن الله قضى لأهل النار الحياة فيها والبقاء لماتوا ترحا أي حزنا وكمدا. À ce moment-là, comme le prophète nous informe عليه الصلاة والسلام, il nous dit, on viendra lorsque les gens du paradis entreront au paradis et les gens de l'enfer entreront en enfer. On amènera la mort sous la forme d'un bélier blanc comme le sel, amlah, ou bien extrêmement bon. On appellera les gens du paradis. On appellera, oh les gens du paradis. فَيَشْرَ إِبُّهُ لِشْمَعْنَا يَشْرَ أَبَّا. Ça veut dire tendre le cou pour regarder loin. On appellera, oh les gens du paradis. Ils regarderont, ils auront peur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on nous appelle? Est-ce qu'on nous fait sortir du paradis? Ils auront peur. On leur dira,
est-ce que vous reconnaissez ce bélier? Ils diront oui, c'est la mort. Ils l'ont tous connu. Alors on appellera les gens de l'enfer. On voulait les gens de l'enfer. Et là les gens de l'enfer, ils tendront le cou. Et ils regarderont avec le cœur plein d'espoir. Ouais, on va nous faire sortir. On leur dira, vous connaissez celui-là? Ils diront oui, c'est la mort. Ils l'ont tous goûté et connu auparavant. Alors ce bélier sera égorgé. Et on l'appellera à nouveau. Oh les anges du paradis, vous serez éternels, vous ne mourrez jamais. Et oh les gens de l'enfer, vous êtes éternels et vous ne mourrez jamais. Ça sera fini. L'endroit où ils se trouveront à ce moment-là sera leur demeure éternelle. Les gens du paradis éternellement au paradis. Et les gens de l'enfer éternellement en enfer. Et là, le prophète, il a récité le verset où Allah tabaraka wa ta'ala, il dit « وَأَنذِرْهُمْ et avertis-les يَوْمَ الْحَسْرَةِ » le jour du regret. Et les gens, ils regretteront « وَلَا تَحِينَ مَنَاسِ وَلَا تَحِينَ مَنْدَمْ » Ça ne servira plus à rien de regretter. Ils regretteront « وَهُمْ فِي رَفْلَةِ » avertis-les deux jours du regret alors qu'ils sont actuellement insouciants, négligents « وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ » et ils ne croient pas. Et ils ne crois pas. Et dans une version du hadith, pour dire alayhi salatu wassalam, si Allah tabaraka wa ta'ala n'avait pas écrit l'éternité et l'immortalité aux gens du paradis, quand ils ont entendu cela, eh ben, ils seraient morts de joie. Et s'il n'avait pas écrit l'éternité aux gens de l'enfer, ils seraient morts de tristesse. Et enfin, les gens de l'enfer, quand ils savent que c'est fini, ils y sont, ils n'en sortiront jamais. Il demande aux gardiens de l'enfer. Il demande aux gardiens de l'enfer à ce qu'on leur allège le châtiment. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Les gens dans l'enfer demanderont aux gardiens de l'enfer, demandez à votre Seigneur qu'il nous allège un jour du châtiment, juste un jour, c'est tout, on se repose. Un jour. Et après, il nous a dit comme il veut. Les anges, ils leur répondront, أَوَلَمْ تَكُتَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. Vos messagers ne vous sont-ils pas venus avec les preuves évidentes? قَالُوا بَلَا. Ils diront, bien sûr. قَالُوا فَدْعُوا. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Alors, invoquez, demandez. Et la demande des mécréants n'est vouée qu'à la perte. Alors, les gens de l'enfer, quand ils verront les portes se fermer les unes après les autres, ils demanderont, la fin. Ils n'en pourront plus. Ils appelleront qui? Ces derniers nida. Le dernier appel. Ils appelleront qui? Le gardien chef de l'enfer, qui s'appelle Malik. وَنَادَوْ يَا مَالِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكْ. Ils appelleront, ô Malik, ô toi chef de l'enfer, que ton Seigneur nous extermine. On ne veut plus vivre comme ça. يَا مَالِكْ قد نضجت منا الجلود يا مالك قد أثقلنا الحديد يا مالك فإن أخرجنا فإنا لا نعود. Ils crieront, يا مالك nos peaux sont carbonisées, يا مالك nos corps sont écrasés par le fer, يا مالك fais-nous sortir. On ne reviendra plus jamais. قال المفسرون قال الأعمش رحمة الله عليه نبئت أين أن بين دعوتهم أو ندائهم وإجابته أو إجابته إجابة مالك ألف عام. ألف عام. On m'a informé qu'il y a entre leur appel et la réponse de Malik mille ans qui passent. Mille ans. صافي كملت كملت ما صافي كملت صبروا على حد دقيقة بارك الله فيكم. ميلون il leur répondra pas. Et qu'est-ce qu'il leur répondra après? إنكم ماكثون. Vous y êtes, vous y restez, vous n'en sortirez jamais. Ce dernier appel qu'on aura de leur part, le dernier. Tu sais maintenant pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a nommé ce jour, le jour du jugement, le jour dernier, le jour
de l'appel mutuel. Car les gens s'appelleront. Tu appelleras ton père. Ou bien ton père t'appellera. Ta mère t'appellera. Viendra te voir. Ya waladi, ya ibni, ya qurrata aini, ya faladata kabidi, ya habibi, ya kanzi, kuntu ummak, au kuntu abak, kuntu akhak, kuntu ibnak, kuntu bintak, kuntu ma'ak, wa fa'altu ma'ak, wa a'taytuk, wa dafa'tu 'ank, wa ila akhirih. Habni, habli minka hasanatan wahida, tunjini min azabillah. Donne-moi une hasanat seulement. Je suis ton père, je suis ton frère, je suis ton fils, ton neveu, je suis proche de toi, je t'ai aidé, je t'ai protégé, j'ai tout donné pour toi. Donne-moi une hasanat seulement pour être sauvé du châtiment d'Allah. Ce jour-là, les gens ils s'appelleront, mais ils ne se répondront pas. Alors, qu'on réponde aujourd'hui à l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Istajibu li rabbikum. من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. Répondez à l'appel de votre Seigneur avant qu'un jour arrive dans lequel l'ordre d'Allah ne sera pas repoussé. Il ne sera pas repoussé. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Oh vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et de son messager. Celui qui vous appelle pour ce qui va vous donner la vie, la vraie vie. Wa inna al-akhirata la hiya al-hayawan. La vie de l'au-delà, c'est la vraie vie. Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Il dira pourquoi je n'ai pas œuvré pour ma vraie vie. Man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Celui qui a accompli des actions pieuses et qui est croyant, qu'il soit un homme ou une femme, nous lui ferons vivre une vie paisible. Comment on voit cette vie paisible? Dans l'obéissance d'Allah et de son messager. Istajibu, ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. Les cœurs, mes frères, sont entre les doigts d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il les retourne comme il veut. Il les retourne comme il le veut. Et sachez que vous reviendrez à Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم قوي إيماننا باليوم الآخر. اللهم اجعله نصب أعيننا. اللهم وفقنا للعمل لهذا اليوم العظيم. اللهم اجعلنا فيه ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل هذه الكلمات في حسنة قائله ومستمعه وحاضره. يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها دقها وجلها صغيرها وكبيرها ما نسينا منها وما لم ننسها يا أرحم الراحمين. يا غفور يا رحيم أكرمنا بطاعتك. اللهم أسعدنا بتقواك واجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهرها من الحقد والبغضاء والحسد والشحناء. اللهم طهر أعمالنا من الرياء. اللهم طهر أعمالنا من السمعة والرياء واجعلها خالصة لوجهك يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم أجمعين. ومعذرة على الإطالة. بارك الله فيكم. بارك الله فيك.